the excitement, the adventure of a new force at breakfast. We'll call them C-3POs. New C-3PO cereal from Kellogg's. Twin rings, things together. For two crunches in every double O. A delicious part of this... 6PO met du fer dans les céréales. Logique pour l'androïde qui a mis du beurre dans les épinards en incarnant le robot le plus snob de la galaxie. At breakfast. May the force be with you. Planqué sous la carcasse plaquée or, l'acteur anglais Anthony Daniels. À 31 ans, ses talents de mime font chavirer le réalisateur George Lucas, qui le choisit pour incarner le droïde de Star Wars. Anthony est le seul acteur à jouer dans les 6 films de la saga, une vraie malédiction pour ce British qui avoue détester la science-fiction. 6PO ou 6-3PO en anglais fait l'objet d'un véritable culte. 30 ans après la sortie du film, la dévotion est aussi inoxydable que son armure. Depuis 1977, Anthony Daniels ne touche plus terre. Son rôle de droïde lui colle à la peau, comme dans ce dessin animé où il raconte ses aventures avec un gris peint ou dans cette pub culottée. Star Wars Boba Fett is here. That means Darth Vader's always near. C-3PO is lots of style. Star Wars underoos are here, yeah! Something out of sight in underwear. 6PO est uni comme les deux boulons de la main avec R2-D2. Les deux compères sont inséparables comme Laurel et Hardy. Ici, le petit gros joue les lourdeaux, tandis que la grande tige incarne le coincé, très à cheval sur le protocole. Une amitié blindée à toute épreuve. Dans Star Wars, 6PO maîtrise 6 millions de formes de communication, mais avec R2-D2, ça bug. Derrière la lune de miel, ça sent le sapin brûlé. Souvenez-vous de ce que disait Kenny Baker, l'acteur qui joue le petit robot sympa de son pote intergalactique. Il m'ignore, me tourne le dos. Quand il me voit, il s'en va. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez lui. Il ne veut parler à aucun de nous. Au début, je pensais que c'était qu'avec moi. Mais j'ai vite réalisé qu'il était grossier avec tout le monde. C'est pas joli joli de casser du sucre sur le dos de son petit copain. Il serait pas un peu jaloux, notre Kenny? Pour en avoir le cœur net, Gianni, notre droïde reporter, a convoqué 6PO de passage à Paris. Dis donc, Anthony, c'est quoi cette histoire avec ta moitié R2-D2? Il a l'air d'en avoir gros sur la patate. Rassure-nous, Kenny se fait un film. C'est pas ton genre de snober tout le monde. Vous savez quoi? Je ne parle jamais à la place des autres acteurs. Demandez à Kenny, je sais pas quel est son problème. Non mais il m'a dit que... Je ne parlerai pas de lui. Ok. Bon, très bien, ni d'autres acteurs. Ok. Vous avez d'autres questions? J'en ai plein, en fait. Et aucune sur les autres acteurs. Très bien, on peut discuter alors. Oui, bien sûr. Ok. Oh, en fait, vous savez quoi? Vous savez quoi? Je dois y aller maintenant. Non. Mais oui, c'est très triste. Mais pourquoi? Parce que la journée était longue. Mais vous aviez dit être d'accord pour quelques questions. Oui, mais... Mais il faut que j'y aille, on m'attend. Mais je n'ai que quelques questions, oui. Je peux au moins récupérer ma feuille?